Bonjour, je suis ravi d'accueillir au sein de la rédaction INSI Éric Mignot. Bonjour. Éric, vous êtes président fondateur de PlusSimple.fr. Alors déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est PlusSimple.fr ? Alors en deux mots, PlusSimple.fr, c'est l'unique courtier digital en assurance dédié aux TPE, aux professionnels et aux indépendants en Europe. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait concrétiser cette ambition entrepreneuriale, Éric ? Alors, on est parti d'un constat qui est assez peu glamour, qui est que quand vous êtes un kiné, un coiffeur, etc., et que vous voulez assurer l'ensemble de vos risques, aujourd'hui, l'expérience client, vous devez répondre à 200-300 questions. Vous signez entre 5 à 10 polices d'assurance et vous recevez 1000 pages de documentation papier. Et du coup, nous, on s'est dit, avec ce qu'on sait faire d'un point de vue techno, alors on peut transformer totalement cette expérience client. Vous répondez à 10 questions, vous signez, vous avez une proposition sur mesure, vous signez en ligne, vous payez en ligne, vous êtes immédiatement assuré, vous retournez travailler. Alors, bon, l'innovation, c'est d'avoir effectivement, de votre côté, pu mettre en place une plateforme qui va benchmarker l'ensemble des contrats du marché, vous engager, je crois, sur les contrats que vous signez aux côtés de vos clients, d'être dans le mieux disant du marché. Comment ça se passe, en fait ? Alors, ce qu'on fait, c'est que donc on digitalise complètement l'offre d'assurance qui nous permet d'assembler des garanties. Donc notre robot, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse le besoin du client, parce que quand vous êtes un coiffeur ou un kiné, vous n'avez pas les mêmes besoins. Donc là, on va analyser en fait votre besoin, on va préparer une solution sur mesure, on va l'assembler automatiquement en allant chercher des garanties auprès de différents assureurs avec lesquels on a pré-négocié les contrats. On assemble ces différents contrats et on les gère dans le temps. Et après, on rediffuse l'information aux assureurs avec lesquels on travaille, qui l'intègrent dans leur système d'information, et c'est nous aussi qui assurons la gestion des sinistres. Alors, ma banque n'a pas très longtemps dit « j'ai super dématérialisé mes process, mais a imprimé des contrats, mais les a fait signer, les a scannés, les a déchirés. » Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est des... Il y a zéro papier. Zéro papier. Ouais. Au niveau de plus simple, il y a zéro papier, ce qui permet en fait d'avoir une expérience qui est totalement digitale de bout en bout. Après, on est dans une logique qui est... ce qu'on appelle digital first, c'est-à-dire si vous voulez tout faire tout seul, vous faites tout seul. Si en revanche vous voulez nous appeler parce que vous avez besoin de conseils, d'être guidé, etc., alors vous avez affaire à des équipes qui sont des spécialistes de l'assurance et qui vont vous accompagner au téléphone. D'accord. Mais est-ce que j'ai effectivement dans ma relation avec PlusSimple.fr l'assurance que c'est vraiment plus simple, que j'ai plus qu'un seul interlocuteur aujourd'hui, Alors aujourd'hui, on a quelques centaines d'avis certifiés qui nous donnent une note moyenne de 4,7 sur 5 en termes d'expérience client. Donc c'est des avis e-commis. Donc ça a l'air plutôt de bien se passer. Bien en tout cas, c'est le feedback que nous donnent les clients, en disant on répond véritablement à une problématique et un besoin de leur part, eux qui ne sont pas des sachants de l'assurance et qui veulent avoir une réponse globale à l'ensemble de leurs besoins. Comment vous êtes accueillis par les acteurs du marché, les assureurs, les courtiers actuellement ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on résout une problématique assez importante dans le domaine de l'assurance, qui est que la raison pour laquelle l'expérience client n'est pas top, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas la technologie pour les assureurs pour arriver, les assureurs, les distributeurs, les banquiers, pour arriver à faire ça de manière économiquement efficace. Parce que si vous mettez un conseiller de clientèle en face d'un petit client qui a une prime qui est trop basse, quelques centaines d'euros, voilà, économiquement, il ne s'y retrouve pas. Donc vous avez la complexité associée à une faible rentabilité. Et donc seule la technologie qu'on a développée permet de réconcilier ça. Et du coup, on va voir tous les grands acteurs du marché, qu'ils soient courtiers, assureurs, banquiers, mutuelles. Corporations professionnelles aussi. Corporations professionnelles, en leur proposant de travailler ensemble au développement d'une solution pour les coiffeurs, les kinés, les garagistes, etc. C'est quoi vos challenges et vos enjeux de demain ? Parce que, en préparant l'entretien, j'étais assez curieux de où est-ce qu'on met l'innovation sur votre solution, du machine learning, les algorithmes, parce que ça c'est des vrais sujets techno. Oui. Et on faisait l'allusion, si vous avez beaucoup d'informations sur vos clients, donc c'est même un vrai parti pris, il y a peu de valeur. L'enjeu de l'assurance, c'est de passer d'une vision produit à une vision client. Oui. Alors ça paraît banal, mais pas nécessairement. Mais aujourd'hui, les vraies disruptions, elles sont où pour vous, selon vous, dans le monde de l'assurance et... Alors la première, et encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais le fait d'amener cette vision client avec une approche globale dans l'assurance, c'est déjà un truc qui n'existe pas. Mm-hmm. Même si nos clients, la nuit, nous disent « Bah ouais, ok, j'ai signé tous mes contrats en ligne, so what ?» Parce qu'ils sont tellement habitués à finalement pouvoir le faire dans toutes les zones d'industrie
que pour eux, ce n'est pas tant perçu comme une innovation, alors qu'une fine, ça l'est. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième, c'est qu'on a mis une couche, effectivement, de machine learning dans notre plateforme qui nous permet, en fait, de travailler sur la compréhension du risque en se basant sur l'analyse du client plutôt que chacun des risques individuellement. Mmh. Donc chacun peut comprendre, par exemple, que quand on assure des locaux, ben, si on en sait un peu plus sur le dirigeant de la petite boîte qui occupe ses locaux, alors peut-être qu'on saura mieux l'assurer parce qu'on sait que c'est un dirigeant qui est soigneux, qui a déjà pas mal de succès dans les affaires, etc. Et donc qui aura moins de risques d'avoir des locaux qui soient dégradés qu'un autre dirigeant. Alors je m'attendais beaucoup moins à ça hein, dans la préparation, mais on m'avait parlé effectivement d'un partenariat avec une société qui gère du risque mais qui est celui de la réputation. Oui. Donc aujourd'hui, le fait que vous connaissiez vos clients permet d'aller sur ce type d'approche aussi. Bah, effectivement, quand on construit en fait pour nos différents clients des offres, l'idée c'est de comprendre finalement quels sont leurs risques, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, etc. Mmh. Et si vous êtes, je ne sais pas moi, un plombier et qu'on dit de vous que vous travaillez mal sur Internet parce qu'une fois vous avez eu un souci avec un client, alors potentiellement vous êtes gravement impacté dans votre métier. Donc du coup, on est allé chercher une solution qui s'appelle iProtego, Osculteo, qui est une solution marseillaise qui était au CES de Las Vegas l'année dernière, qui est une super start-up qui permet de monitorer en permanence ce qui se dit de vous sur les réseaux sociaux et sur Google, et d'intervenir pour faire retirer des mentions négatives, le cas échéant, si... Là, on voit une illustration tout à fait concrète de la manière dont vous allez pouvoir accompagner le dirigeant d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018? Ce qu'on peut nous souhaiter, bah, c'est de continuer sur la lancée et d'accélérer encore par rapport à ce qu'on a commencé à développer, et puis de convaincre le plus grand nombre de partenaires possibles pour devenir la solution de référence pour l'assurance. Alors partenaire, hein, mutuel, assureur, groupement professionnel, enfin tout est ouvert. Tous les gens qui veulent apporter des solutions, veulent rajouter aux professionnels, aux TPE, aux indépendants, alors pensez plus simple pour travailler avec vous. Eh bien, on va suivre ça aussi, tout simplement, en regardant de près votre actualité. Merci beaucoup, Eric Mignot. Merci à vous. Et puis plein de bonnes réalisations pour 2018. Merci beaucoup. Merci. Merci.